elle. Je risque d'être jalouse. Hein. C'est dans les choses. La reine Aurore, ça fait longtemps. Hein. Ça doit faire un an qu'ils ne t'ont pas vu. Ça sont ses cheveux. Vous avez vu ses cheveux? Non, on ne croit pas. Viens nous montrer. Ah, je suis contente de vous voir. Ça fait tellement longtemps. Merci, Maïcha. Les fleurs, les cadeaux, Aïda. Merci pour l'amour que m'envoyez. On dit où est le soleil pour les lunettes? Nous, les corps, nous, on porte les lunettes comme et quand on veut. On n'a pas besoin de soleil. Voilà, ouais, vas-y. Je m'appelle Aurore, en fait. Je suis le rayon soleil. Donc, j'ai besoin moi-même de me protéger. Oh my god, thank you. Elle dit qu'elle est le rayon de soleil. Elle n'a pas besoin de soleil pour porter les lunettes. Non, le genre d'homme. Quand je dis que vous devez former vos enfants, comme ça, vous avez vu la rhétorique. Elle sait se défendre. Le gars dit mais où sont les lunettes pour se foutre de sa gueule, quoi, pour l'humilier. Où est le soleil? Pourquoi tu portes les lunettes? Jean, pourquoi est-ce que tu portes des lunettes? La fille dit, je m'appelle Aurore. Ce qui veut dire que je suis le soleil. J'ai pas besoin de soleil pour briller. Non, ma fille, viens, je te fais dire. Come on! Non, dis encore pire. Eloï, il y a le coaching privé. Vous écrivez au secrétariat. Attendez, je vous donne le numéro pour celles qui ont compris que la vie, là, c'est pas des lol. Vous voulez persévérer, vous voulez réussir dans la vie, vous voulez vous organiser autour du coaching. Voici le numéro pour prendre des rendez-vous ou bien pour qu'on vous donne le lien de la boutique. 0041 76 638 16 71. Je vous le redonne. 0041 76 638 16 71. Donnez-moi de vos nouvelles, Tagé. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Un coach. Est-ce que je forme celles qui veulent devenir coach? Ça fait beaucoup de personnes qui demandent, surtout beaucoup d'hommes qui me demandent si je suis prête à former. Je pense qu'on va le faire. J'hésitais beaucoup pour plusieurs raisons, mais bon, on va obtenir une certification et puis on va le faire. Mais moi, je peux vous coacher. Mais sinon, moi, je dis qu'avant de coacher les coachs, je préfère qu'un coach s'assure que sa vie est OK. Parce que je vois des coachs, leur vie, ils sont bric-à-brac, mbracata, mais ils viennent coacher les autres. L'autre demande si je suis coach. Je crois que je suis coach depuis près de 15 ans. Et ça va faire 8 ans que je suis coach sur les réseaux sociaux. L'une des premières coachs. Je n'ai pas attendu qu'il y ait le coaching. Nous avons emmené le coaching sur les réseaux sociaux. J'espère que ma réponse est bonne sans vouloir être gonflée. Venez au Togo. Oui, tu me payes le billet. Je viens, darling. Je viens. Oh, just come. Comment allez-vous? Moi aussi, je suis contente de vous voir, Guylaine. L'une des premières coachs, peut-être que la personne pense que moi aussi je viens d'être coach. Coach de quoi? Coach en développement personnel et experte en relations. Et je suis certifiée d'une des plus grandes écoles. Tu veux aussi mon CV? Tu veux voir aussi mon compte en banque en tant que coach? J'ai une entreprise de coaching certifiée, déclarée en France, au niveau du... Comment on l'appelle? Voilà, depuis des années. Voilà, tu viens de t'abonner, merci là-bas. Ça fait plaisir. Oh, waouh, quelle école, je ne te le dirai pas, tout simplement. D'accord, mais il faut qu'on régule l'histoire. Qu'on régule? Aurore m'a dit qu'il y a du poulet. Il n'y a pas de poulet. Mais qu'est-ce que ça va? Regardez, vous voyez les deux là? Ça, c'est les deux enfants du milieu. C'est une vraie histoire. Après ces deux-là, merci Christelle. Après ces deux-là, il y a... De quelle origine je suis? Je suis française. Je préfère dire comme ça. Et ma nationalité, je suis coach. Je n'ai plus de nationalité. Je refuse que l'on mélange le coaching à la nationalité. Ça crée beaucoup de problèmes. Lady Sonia est une coach, c'est tout. Je suis africaine, mais je suis née en France et ça s'arrête là. Parce que quand on met les nationalités dedans, les gens se permettent, ça s'arrête ici. Merci. J'ai 6 enfants. Ma première fille a 30 ans et ma dernière, c'est celle que vous avez vue au Venice avec les grosses lunettes noires qui se jouaient la star. Ça va. Ma première fille, elle est aux États-Unis. Elle est avocate, c'est ça? Yes, sir. Ma première fille, princesse, elle est aux États-Unis depuis près de, ça va faire 12 ans. Mm-hmm. 12 ans, elle est avocate. Après elle, vous avez Jordan. Après Jordan, vous avez... Moi. Grâce. Après Grâce, nous avons Nathanaël. Après Nathanaël, on a Aurore. Après Aurore, on a Eunice. Grâce. J'ai mon chapeau et mes fleurs, s'il vous plaît. Ah, grâce. Aurore veut les cadeaux. Ben non, ils sont toujours autour de moi. Beaucoup sont partis. J'ai déjà dit, l'autre, elle est aux États-Unis. L'autre, elle est dans sa vie. Elle travaille, elle est chez elle. Elle vit seule aussi. Elle est partie. C'est juste un jour, ils sont passés me saluer. Voilà, j'ai 23 ans. Il a 61 ans. Il est très riche. Il me traite de quoi? Comme une reine. Il veut m'épouser. Maman! Tu as 23 ans, il a quel âge? 63, 61 ans.
Mais si toi-même tu poses la question, c'est que toi-même tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tu poses la question? Faut pas faire je vais porter mes lunettes pour répondre. Quand je porte les lunettes, c'est que c'est grave. Tu as 23 ans. Tu as 23 ans. Il a 61 ans. Donc, tu crois que parce que tu vas me dire qu'il est riche, je vais... Tu aimes ta vie. Ah, tu vas épouser ton grand-père. Bon, peut-être c'est ton choix, hein. Il n'y a pas de souci. Bah, écoute, tu as 23 ans. Le monsieur, il a 60 ans. Il est déjà bien. Est-ce qu'il fonctionne même là-bas? C'était pour moi. Pourquoi vous attendez que je parte pour donner les cadeaux? Moi, je ne me perds pas dans l'ordre. C'est Ennis qui a voulu sauter l'ordre. Sinon, j'ai bien dit c'est la dernière. Ah, maman, tu as 23 ans. Tu veux épouser quelqu'un qui a 64 ans parce qu'il a l'argent. Ma chérie, l'argent qu'il a là, tu peux travailler puis avoir ton argent. Toi aussi, faut être sérieux. Si tu m'avais même dit que non, il a 30 ans, vas-y, il a juste 35 ans, j'allais te dire, mais c'est cool. Mais 41 ans de différence, attends toi-même. Ah, ma chérie. Ça, c'est le gars, quand il va enlever même son pantalon, tu vas être découragé. Il n'y a plus rien dedans. Il a fini toute sa force, il n'y a plus rien. Merci. Merci. Allez, il faut que je bouge, non mais ils m'ont pas vu depuis longtemps, je peux pas bouger, ils font les cadeaux. Je suis trop gentille. Oui, mais s'ils peuvent aller en mariage, bien sûr. Toi, tu as quel âge? On demande si vous pouvez aller en mariage, tu as quel âge? Vous me donnez quel âge? Est-ce qu'on peut t'épouser? Elle n'a pas de copain déjà. Celui qui veut l'épouser, est-ce que tu pèses lourd? Elle en a pas, si elle en avait, elle allait me dire. Hein, ma chérie? Dis-moi. Ma chérie, j'ai dit, si tu as un copain, tu vas me dire, non? On a. Ouais, de fou. On a le free talk dans cette famille. Si tu as un mec, tu oui, vas me dire. Mais ça n'a rien à voir. Je préfère présenter quelqu'un de genre, c'est sérieux, genre. Ah, ouais. Parce que tu me respectes, tu ne vas pas m'emmener des copains, tu m'emmèneras la personne que tu veux épouser, right? Right. C'est la manière dont tu as fait de parler, je ne suis pas sûre. Mais il n'y a pas de souci si elle a un copain, où est le problème? L'autre, elle a 5 copains, le dernier, ce n'est pas son vrai. Si j'en avais, j'allais pas m'afficher comme ça. Et pourquoi pas? Non. Il faut que ce soit secret, discret, loin des yeux, loin de tout. Chut! Voilà. Ouais. Mais il faut que je le vois avant. C'est pour moi! Il faut que je. Non, c'est à moi, c'est à moi. Une table de la congélateur. Une table? Tu sens rien de le tabac. La tabac de la congélateur. Oh, vous voyez comment mes enfants là, quand ils sont là, j'ai du mal à travailler. Tout le monde veut causer. Je quitte. Merci pour les fleurs. Tu veux ma fille? Très bien. Avant de dire que tu veux ma fille là, est-ce que tu te veux toi-même? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux avoir Lady Sonia comme belle-mère? Est-ce que you know where you're putting your feet? Est-ce que tu sais où tu mets ton doigt? Absolument. Est-ce que tu sais où tu places ton doigt? Est-ce qu'on les recrute? J'ai combien d'enfants? J'en ai 6. Merci. On dit que vous avez tout un beau teint. Vous êtes très belle. Wow. Tu veux mon fils? Lequel? J'ai deux garçons ici. Là. Il y a Joe. Il y a Joe et puis il y a Nathanaël. Je vends au plus offrant. Si tu payes cher, je te donne. Viens, celui-là, viens ici. Viens, viens. On est bon marché. Je cherche une femme pour toi. C'est quoi, non? Personne cherche. Mais en tout cas, la femme qui va épouser mon fils, c'est. Avoir Lady Sonia comme belle-mère, mais tu vas souffrir. Je vais venir te coacher en direct. Même pendant que tu es sur la table d'accouchement, je vais venir ouvrir les yeux pour savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais au moins, une belle-mère comme Lady Sonia, est-ce que c'est une bonne histoire? Nathan, viens, on va voir. Viens, on va te voir. Peut-être qu'il y a une fille de milliardaire ici là qui va t'acheter pour moi. Si vous êtes milliardaire, notez 2 dans les commentaires. Ah oui, si vous êtes milliardaire, si vous avez beaucoup d'argent. Notez 2. Mettez la dernière centre. La dernière c'est celle-là là. C'est. What are you? J'ai yes, you've coped. C'est celle-là la dernière. Come on. C'est celle qui vient d'avoir son bac, vous vous rappelez? Ce matin, je l'ai envoyée et puis elle a été reconnue quelque part. Et puis quand elle est venue me dire, maman, à cause de toi, maintenant, depuis que tu m'as posté, je suis une star, je veux plus que tu me poses, je veux pas que les gens me posent. Si. Quelqu'un m'a reconnue, c'est tout. Et puis comment tu t'es comportée? Je sais pas. C'était à 5 heures. Le dish is too small. What about this one? This one is not small. Oh. Tu sais, il est en deuxième année d'université. Non, pourquoi ça veut dire? Oui, elle est trop petite. Mais elle est plus grande que moi, quand même. Non, il veut dire elle est petite. Elle est... Non, on va te bloquer. Non, ne bloquez pas mes amis. Ils m'ont pas vu il y a longtemps, moi aussi. Ah, c'est toi, on veut, Nathan. Elle a dit, check, check. C'est lui dit.
C'est celui-là que tu veux? Elle se ressent? Non. C'est plutôt les deux là. Nathan et voilà. Les gens confondent souvent, ils demandent s'ils sont des jumeaux. Ils sont nés avec quoi? 9 mois d'intervalle. Ouais, non, c'est peu c'est grâce à... Non, grâce et... Grâce et Nathan et... Jordan avait 6 mois quand grâce oui, et Azazel. Oui, ça c'est eux 9 mois. Nous c'est 2 ans. Vous avez vraiment 2 ans? Ouais. Ah, c'est ça qu'on fait trop d'enfants, on se trompe dans les âges, massa. Quand ça rend bon plat demain, ah demain c'est mon plat préféré, maman. Tu me fais à demain, moi je prends la viande, j'aime ça, c'est mon plat préféré. Voici ma dernière, ça c'est ce qu'on appelle full stop. Quand elle est arrivée, j'ai dit adieu, c'est bon, fini. Elle m'a sorti mon bras. Plus d'enfants. Et puis donc il m'a donné, celle-là, elle me ressemble beaucoup, non? Oui, 9 mois d'intervalle, moi je ne perdais pas le temps. Vous, quand vous rentrez au foyer là, c'est pas pour venir jouer. Dès que vous rentrez, framponnez les enfants. Moi, j'ai pris ma grossesse même de la nuit de Dot. Oui, oui, oui. Ah oui, et puis après, j'ai aligné quoi. Escalier. Do I have time? Je n'avais pas le temps après. J'ai fait les enfants. Six. Est-ce que moi, ils sont venus pour jouer? Parce qu'il fallait sécuriser. Oh. J'ai dit, il fallait sécuriser. Et que c'est me dit, tu as ma tête. Aurore ressemble à son père. Toi, tu me ressens. Qu'est-ce que tu te demandes? Tu as dit que tu ressembles à ta soeur. Tu ressembles à ta mère. Moi, je ressens. Regardez le visage, Aurore. T'es trop chou. T'es trop mignonne, mon bébé. Tu ressembles à ton père. Oui, elle ressemble à son père. Alors. Non, non, sérieux, Aurore. T'es abusé. Moi, j'ai souffert pour te porter. Toi, tu sois copie crachée de ton père. Et puis, tu es fier. Tu peux payer ça. Il faut bien. Pas jouer. Tu n'as pas. Je n'ai pas chômé. Vous entrez dans le foyer. Oh non. Moi, je vais attendre. Tu fais un enfant et puis tu joues les paresses. Comment ça m'a traumatisé? Hey, ma chérie, moi j'ai enchaîné en même temps qu'à J'ai fait mes enfants. Aujourd'hui, quand je me balade avec les gens, mais ils sont impressionnés. C'est comme mes potes. Ils sont grands, je suis fière. Et puis il y a un goût là. Le matin, quand ils se lèvent, quand ils t'appellent, maman, ça va. Quand ils t'envoient des petits cadeaux, fête des mères, quand on sort au restaurant. En fait, ce sont mes amis. Moi, je n'ai pas d'amis dehors. Mes amis, ce sont ceux-là. Ils me donnent des conseils. Quand ça va mal, quand par exemple, vous voyez qu'on m'insulte sur la toile, ce sont eux qui se lèvent, qui vont se lever, qui vont prier pour moi, qui vont me dire, maman, vas-y. C'est-à-dire, ils sont. Non, Dieu m'a donné des enfants formidables. Ce sont les meilleurs, c'est pour ça que je tiens. Parce que j'ai ces gens-là. Ça, ce sont mes gaillards. Oh non, ils sont formidables. Je t'aime, Nathan. C'est maman. J'ai dit moi. Si, j'ai dit. Si vous dites à quelqu'un, je t'aime, et la personne dit merci, c'est une insulte. J'ai dit moi aussi. Je viens maman. De dire à Nathanaël, je t'aime, il me dit merci, maman. J'ai dit moi aussi, maman. Tu veux ça à ta mère? J'ai dit moi aussi. Tu as dit à ta mère? Moi aussi. Merci. Moi aussi, viens expliquer un peu. Tu portes une paire de lunettes. Tu as dit qu'avec tes lunettes, tu arrives à voir en infrarouge des choses qu'on ne voit pas. Viens. Attendez, il va montrer un peu. Enis m'a mouvé d'abord. Oui, le grand garçon, le bacalana, c'est quoi? Le fils de sa mère. Joli garçon, son produit galère. Aïe, quand toi, j'étais mis au monde, petit, tu étais beau. J'ai dit adieu, mais ici, là. Ajoute, 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 ajoute. Non. Dis-moi un peu, Nathan. Nathan, Nathan, c'est bon, bébé. Nathan, come on. Alors, tu me parlais de la paire de lunettes. Quelqu'un dit on veut sécuriser le mariage, pas avec lui, la gueule. Je vais vous donner Jordan. Jordan est beau. Hein. Le prix de la dot de Jordan et de Nathanaël, c'est très cher. Trois Mercedes, deux Bugatti. Qu'est-ce que tu as déjà vu, Jordan? Jordan, le teint sombre. Il a une voix soft. Il ne parle pas beaucoup. C'est un amour. Donc, soit trois Mercedes. Nathanaël, viens d'abord. Toi, d'abord, viens expliquer d'abord l'histoire de tes lunettes. Après, Jordan va venir s'exprimer. Je sais que quand ils vont voir Jordan, il est grand, mais et puis il danse bien. Et puis les chocos, il a les petites lèvres roses là. Oui, bon. Nathanaël, viens toquer là. Toque. Tu dis quoi? Ta paire de lunettes, c'était quoi déjà? Tu peux parler pour. On appelle ça s'entendre, écrivez s'entendre. Jordan, on te cherche ici. Les gens demandent Jordan, tu es où? Viens te montrer d'abord. La fille derrière moi, ça c'est au bord. Joe. Come on! Le bleu, il est mignon. Regardez comment mon fils est beau. Mais t'as pas montré tes lèvres roses? Avance d'abord. Mais lève-toi. Il est beau, mon fils. Fais ton live maintenant. C'est bon. Il est beau, mon fils. Non, maintenant, montre-lui les noms. Et puis, il est musclé. Mon fils, il est très mignon. Je t'aime, Joe. Moi aussi.
Lui au moins il a bien fait. Non. J'ai dit je t'aime Joe, tu dois me dire. Tu viens de me faire un vent devant du monde là. Il y a des leaders. Quand une femme te dit je t'aime, tu réponds quoi? Tu dis pas moi aussi? Non. Hey, t'as la cale en l'air. Joe, je t'aime. Merci. Merci, maman. Il fallait que sa soeur lui murmure de me dire lui-même. Je me sens outragée et rejetée. Non. Je me mets à genoux. Je loue son temps. Je t'aime aussi, maman. Mais oui. Mais oui. Et puis, je vous ai dit, je serai toujours le premier amour de votre vie. Moi aussi, je m'aime. Non, je serai tout seul, Joe. Je serai toujours le premier amour de ta vie. Même si tu épouses une autre femme, ce sera toujours moi d'abord. Je serai la maman de Hakimi. As-tu Akri? Non. Oui, non. Tout l'argent que tu vas gagner là, tu mets au nom de ta maman Lady Sonia, géré pour votre foyer. Joe, je t'aime, Joe. On a dit ils ont un beau teint. Mais est-ce que tu as la force, mère? Viens me dire que tu m'aimes. Viens me dire que tu m'aimes devant tout le monde. Emmène-moi en boîte d'abord. Viens me dire que tu m'aimes. Petit, donc tu ne veux pas me dire que tu m'aimes. Mais il m'a dit. Non, c'est parce que vous l'avez forcé. Je veux que ça soit naturel. Le premier jour, on revient à ce qui était important, les femmes Joe, lunettes. Attends, Joe. Non, je peux stop, avoir. J'ai besoin d'amour. Voilà. Bisous. Eunice est là. Toi, tu es le dernier bébé qui t'aborde. Pas toi, je peux avoir un bisou. C'est quoi, je veux devenir beaucoup plus méchant. Mes lunettes. Joe, je peux avoir un bisou, s'il te plaît. Mon fils, il est où? Je me fais. Ce sont mes bébés, oui. Mes diamants. Oh, je dois me pousser. Elle veut au moins donner-lui un cadeau. Elle a mis sa tête, ils t'ont mis des fleurs. Non, une fois, monsieur Atlas est fâché, il m'a balancé une baleine. Ça a avalé tout le monde. Et puis, ça fait du bruit, ça fait bouah. Je ne l'ai pas encore revu depuis là, il n'y a pas l'homme. Le vrai cadeau là, un gros truc, et puis ça secouait mon téléphone. Est-ce que je peux avoir ça comme ça? Elle va voir que c'est de moi, entre elle et moi, bah. C'est moi la coach. Mais comment ils ont fait tout ça? Vous n'avez pas envoyé le chapeau, mais la diva. Bon, avance. Oh, t'as mis une chaussure? Non, je veux un chapeau. Et puis ta mère, c'est moi, c'est ta petite soeur. Mais un chapeau, rien à faire. Non, mais je pense qu'on choisit les personnes en fait. Oh, ouais, ouais, tu n'as pas l'onction, ma fille. T'as... Si vous ne m'envoyez pas les chapeaux, je suis toujours mini coach et je quitterai les réseaux. Regarde, je me pousse pour elle. Mais elle l'a dit, elle est en train d'envoyer un paquet. Il faut choisir la personne. Et est-ce que mais je choisis. Mais voilà. C'est qui a envoyé? Mais depuis tout à l'heure, Christelle, elle est formidable. Elle m'envoie plein de cadeaux. La diva aussi. Mais donc, il faut des menaces. Attends, je me pousse. Il faut que je vous menace. Et vous m'envoyez les chapeaux. On va la calmer la fille. Non, vas-y, respire. Oh, ben voilà, t'as eu ton chapeau. Vas-y, respire, ma fille. Respire. Frankly, it's wonderful to see a great lady with her children in love. Oh my God. Thank you so much. Thank you so much. Christelle, tu restes dans mon cœur. C'est une histoire. Tu es de la famille maintenant. Yeah. Yeah. Parce qu'elle t'a donné un chapeau. Est-ce que c'est le plus gros cadeau de TikTok? C'est pas le plus gros, mais c'est la seule qui m'a écouté et qui a daigné. On dit Joe m'a répondu. T'as répondu à quelqu'un? Ah! Mmh. Oh. Merci beaucoup, vous êtes gentil. C'est quel genre de coach qui menace les gens? Mais il faut dire, allez, vous la regardez. Oh. Elle est obligée de menacer pour avoir un cadeau. Tous les cadeaux partagés chez sa soeur. Toi, you guys are so amazing. Je suis au Rwandais, je voulais juste vous dire merci, vous êtes un exemple. Thank you so much. Bisous au Rwandais. Je suis déjà venue à Kigali 2 fois. Et je garde une merveilleuse expérience. Vous êtes un peuple merveilleux. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soutienne. It's nice to see them. J'espère que vous aussi, vous mettez une très bonne atmosphère dans vos maisons avec vos enfants. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les pères. Le make-up, il est parti? Parfait. C'est ce qu'elle a mis. Non, ils ont dit, it's perfect. You can, I can bring it down. On en parle du make-up? Faut être magnifique ou... Yes, the makeup is so magnifique. Yeah, and it's thank you, ladies. My chichi chichi. Eunice va faire quelle fille? Eunice, elle travaille déjà. Ah non. Grace. Sorry, pardon. Je parle, je pensais Grace. Eunice, on te demande quelle filière tu vas faire maintenant que tu as eu ton bac. Non, ne dis pas. Souvent, il y a des gens sur ce live là. Non.
ma filière va en fait augmenter le nombre de zéros qu'il y aura dans ma dot. Aïe, 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 aïe. Je ne vais pas, publier ou dire aïe, 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 aïe. Que je vais aller. Ma dot là pour l'instant se compose de deux Bugatti, une Lamborghini. Trois Mercedes, period. Et puis après des billets pour aller voir le JP. Oui, Jordan il est très timide. C'est quelqu'un qui est réservé, très renfermé, parle pas beaucoup. Ah ben merci. Mais ça c'est mon véritable moi. J'aime beaucoup jouer, rire avec mes enfants. Je me prends pas trop la tête. Je viens sur les réseaux sociaux juste pour faire mon travail, coacher. Maintenant, merci Chantal. Maintenant il y en a qui vont prendre ça pour. Mais sinon la vraie moi c'est ça. J'aime rire. J'aime beaucoup rire et quand je suis en présence de mes enfants, en fait, je suis vraiment moi. Je suis vraiment... Jordan doit avoir le caractère de papa Mabiala, exactement. Son père, mon mari est très réservé. Il n'est pas... Il est très posé. Aurore, et toi, tu fais quelle filière, on demande? I am currently in marketing and digital advertising, you know? Yeah. What do you do then? What will you like to be with this studies? I would like to be a UX designer. UX? What is UX? User experience designer. Meaning what? Platforms, sites, applications, everything. Yeah. That's cool. Programming. Oh. Okay, so you mean we will be able to hire you in a... Exactly. Yes, yeah. To do like what I'm doing. Exactly. To make a website. Okay. Pour l'ergonomie du site et du client. Pour que ce soit plus facile, plus digeste. Okay. Voilà. Oh, that's cool. Yes, honey. On me demande qui est l'aînée. Ben, c'est une fille, c'est Gloria Princesse qui vit aux États-Unis. Elle n'est pas là. Et on dit, oh, elle se la pète. Tu es jaloux, tu parles pas anglais comme elle. Oh, elle se la pète. Elle doit se la péter. Elle a étudié. Elle parle pour elle anglais. L'autre fait jaloux à bas. J'aime les langues. Ça lui a fait mal que tu parles en anglais. Si tu veux que je me la pète encore plus, okay, je parle français. Hein? Je parle anglais. Oui, j'ai appris l'allemand. J'ai appris le chinois et je fais un tout petit peu le langage de signes. Anglais sur nous, oui, c'est pour vous pousser à amener vos enfants. Vous savez le secret, c'est pas à l'école qu'ils ont appris l'anglais. Vous savez quelle a été ma stratégie? Mettez des cadeaux d'abord et puis je vais vous donner la stratégie. Si vous voulez que vos enfants soient bilingues, la stratégie c'est facile. Tout est question de stratégie. Ne venez pas mettre des enfants au monde comme papa. Non, il faut avoir un plan. Mais ça c'est lui ça. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, même si vous me donnez tout là, je vous donne. Quelqu'un demande est-ce que les cirurgies s'accabent? Oui, mais elle ne va pas vous accepter. Elle n'accepte pas les gens. Parler à la maison. Non, non. J'ai trouvé une autre stratégie et ça marche. Mes enfants sont vraiment bilingues. Tous. You, you speak English? If I speak English, I do actually because I had like a few experiences, like few travels to like speak English in London and in Cambridge too. Mm-hmm. So I got the accent there. So I have the British one and the English one from America because I can talk like a Californian girl and accentuate my mouth movement and anything. Period. I'll pass the details, but I can speak English. Really well, so we saw this augmente le prix. Voilà, le prix de la dot. Ok, tout ça, c'est ce qu'on appelle le coaching. Je ne peux pas me permettre de venir vous coacher sur ce que je n'ai pas. Tant que je n'ai pas fini de coacher ma maison, je ne sors pas. Mes enfants sont mon premier terrain, mon mari, mon foyer, mon premier terrain. Tant que je n'ai pas réussi ça, I cannot. Je ne peux pas sortir pour venir vous donner des coachings. Quand moi je te dis comment faire de tes enfants des champions, et je vous ai fait des cours. Hein. Il y a un cours qui est vendu sur mon site sur où j'ai mis tous les secrets de comment est-ce que j'ai fait de zéro à X temps pour élever mes enfants, les emmener à réussir dans la vie, les emmener à être des personnes de vision, à être focus. Des personnes spirituelles, des personnes de qualité. Je vous ai mis tout ça dans les cours, mais comme vous aimez le gratuit, je ne viendrai jamais débattre ça ici. Mais en tout cas, ça c'est le vrai business d'une femme. Mon vrai business, la maison, mes enfants anglophones, et puis avec le papier dans la tête. Quand vous réussissez avec des enfants comme ça, on s'en fout de la toile en fait. Exactly. Yeah. C'est comme vous voyez des gens venir vous insulter, vous dire, oh, moi mes enfants ne grandiront pas, ne mangeront pas à la sueur de la monétisation où on insulte et j'en ai pas. Aller à l'école bosser. Si je vois un de mes enfants sur la toile insulter quelqu'un, faire vidéo pour dire Facebook ou les réseaux sociaux vont me payer, je vais insulter au nom de Jésus, je me sentirai maudite. Vos enfants doivent réussir.
Et ils vont réussir par rapport à la vision que vous allez leur donner, par rapport au modèle que vous allez être. Mes enfants voient leur père continuer d'étudier jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, mon mari, c'est un diplomate. Moi-même, je m'assois, je prends le temps jusqu'à aujourd'hui, je continue de me cultiver. I want to be the best. Je veux que mes enfants voient. Le jour où, quand j'ai eu mes 40 ans, on m'a donné mon diplôme de master en ingénierie commerciale, quand je suis repartie à l'école, parce que c'est à eux que je répétais mes leçons et tout et tout. Mes enfants, je disais, j'ai fait ça pour vous, pour que vous voyez qu'à n'importe quel âge, on peut toujours apprendre. Il ne faut jamais laisser la société vous dire que c'est fini, que vous pouvez apprendre, même à la maison. Qu'est-ce que vous suivez sur YouTube? Qu'est-ce que vous suivez sur Internet, sur les réseaux sociaux? Vous êtes seulement assis là en train de suivre les vidéos, les polémiques, les buzz. Non, allez-y, quelle est votre vision? YouTube, c'est gratuit. Vous pouvez apprendre l'anglais là-bas. Vous pouvez apprendre... Comme again? Non, mais sérieux. Oui, ce sont mes jumelles, mes diamants. Mais c'est vrai, this is what I'm saying. Quand on regarde le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, vous faites quoi? Vous suivez quoi? Quelqu'un dit vous n'aimez pas les boucles. Hein? What do you mean? Les boucles, c'est quoi? Merci, Mamoulette, Manoulette, pour les fleurs. Ah, tu veux dire, genre, tes cheveux, c'est toujours... Ah, si, mes cheveux, c'est bouclé. C'est bouclé. C'est pas... Ils sont un peu détendus entre-temps. Ce matin, Eunice m'a fait des petites boucles. I'm a professional hairdresser now, so we can... Elle a fait ce matin, mais je crois que c'est every website. Elle est en train de vendre. Et puis, si vous voulez la coiffure, comment vous les avez? Ben, je vous donnerai pas le cadeau gratuit, chérie. Désolée. Mais elle y ou bien vous prenez le cours. Comment faire mes enfants, mes champions? Une fille bien comme il faut dedans. Je vous donne tous les secrets pour que vos enfants ne tombent ni dans la délinquance ni dans la drogue. Ah, les boucles. En fait, j'ai mal. On m'a dit peut-être ce matin qu'il fallait que je peut-être que je désinfecte, je sais pas. Quand j'ai mis la boucle dorée, j'avais tellement mal, j'ai enlevé. Si, si. Merci, Paulette. Vous êtes dans quel pays? On vit en Suisse. Nous sommes Suisses. Je vis. À 12 ans, c'est parfait. Vous êtes très jolie. Merci. Tu bois du lait? Ça, c'est gentil de mettre. Boss lady. Le dernier livre sera disponible au Burkina? Oui, il sera disponible bientôt. On va vous envoyer un stock. Burkina Faso. Il n'y en aura pas beaucoup. Allez, voilà. Tu t'es moqué de Burkina, mais voilà pour vous. Lady, comment va mon papa? Le papa, il va bien. Il est en haut. Papa est là, non? Je crois qu'il est en train de préparer le culte de demain. Il aime beaucoup prier, donc il s'est enfermé. Ta première fille, à quel âge est... Gloria, à quel âge? 31. Jordan, toi, t'as quel âge? 26. 26. Gloria... Donc, il y a 29 alors. 29, 30. Oui, 29, 30. Ma première fille a 29. 29 ou 30. Elle a 29 ou 30 ans. Tu veux l'épouser? Quand je veux devenir ta fille. Ah, malheureusement, il n'y a plus de place. Le livret de famille, j'ai déchiré, c'est fini. Je ne peux plus recevoir dans les enfants. Je préfère avoir des coachs, des coachés, des mentorés, mais plus d'enfants. Le compte est bon. Qui est noire, te ressemble beaucoup. La dernière, non, celle-là. Oui, c'est là. Je me ressemble beaucoup. Tous mes enfants me ressemblent. C'est ma chère, mon sang. Sauf moi. Pourquoi tu prends notre fille? Oh, Aurore, tu me ressembles. Je ressemble plus à maman. Si tu as... Non, tu ressembles à papa, mais tu me mais ressembles. Mais moi, je sais qu'on se voit. Il y a des phases. Je dis que. C'est papa. Tu ressembles à ton père, toi. Toi-même. Toi-même, tu t'es dit, ah, t'es là, je ressemble à mon père. Non, hein. Mais sérieux, surtout. Comme lui. Tu vois, quand je fais comme ça, alors je regarde, genre, il y a des. Je sais. Tu sais que. Je le vois. Tu vois que. En moi. Tu vois ton père. C'est perturbant. Hé, Dja. Elle voit son père, c'est perturbant, my God. Donc, comment tu vois le sang de ton père en toi, mais my God. Laquelle est Aurore? Aurore, c'est elle. Ça, c'est Eunice. Mon début de week-end à vous aussi. Où sont vos enfants? Ça, c'est des lives que vous devriez suivre avec vos enfants. Ça va leur donner envie de mettre la bonne ambiance, de bien se gérer quoi dans la maison. Hein? Aurore sera notre futur coach. Ça t'intéresse pas d'être coach? Pourquoi ils t'appellent toujours futur coach comme tu fais actuellement? Oh, arrête de la taper. Je t'ai dit, un homme ne touche pas une femme. Voilà. Chaque fois qu'il y a tes petits coups, c'est pas un garçon. Moi, là, je suis... C'est pas ton camarade garçon. Oh, vraiment, les garçons, chaque fois... C'est une fille. Non, c'est mon négro. Oh, c'est mon négro. Yeah. Très bonne ambiance. Baby foot était un con. Nathalie,
On a dit baby foot là, c'est un code. Oui, il est décrypté. Oh. Peut-être pour que moi-même je comprenne pas. Donc elle veut embrouiller la maman pour attaquer les. Non, en fait, c'est une bonne. C'est une championne de baby foot. Et en fait, on a joué une fois. Elle. Tu l'as gagné? Non, j'ai perdu. Donc tu la connais? Et toi, qu'est-ce que tu viens? Tu es une amie de mon fils, c'est-à-dire vous êtes connue. Tu veux faire quoi avec mon fils? Oui. Vous jouez au baby foot dans Wapi. Bon, maman, pourquoi elle est connectée sur mon direct? Je sais pas. Est-ce qu'il est juste là? C'est parce que t'as vu? Excuse-toi. Mais baby foot, c'est quoi? Non, elle a dit que c'est un code. Elle a dit que c'est les lunettes qui mélangent. Where are you from? Nous sommes de la planète Kochatal, nous sommes des coachings, nous n'avons pas de nationalité, nous sommes africains et l'Afrique est bénie. Ici, il n'y a pas de nationalité, on ne veut plus de problèmes. J'adorerais parler lui. Elle demande comment on va écrire ça. Well, sugar, here. Ni hao, elle t'a dit ni hao. Ni hao. Ni hao. Tes enfants ne parlent pas lingala, si. Si. Ils parlent lingala, bolobaka lingala. En tout cas, moi, je me suis abonnée à des comptes pour apprendre le lingala. Pareil. Et elle s'est abonnée à une dame qu'on aime beaucoup, Yaved, c'est ça, non? Yaved, elle est pas Larry, non? Yaved, si tu suis cette vidéo, on t'aime beaucoup. On t'aime beaucoup. Bon, on a dit que vous ne parlez pas lingala. Quel mot lingala est-ce que... Et ça, la Bakitoko, hein? Moi? Like, what? What was that? Attends, moi, je sais dire... Et ça, la Bakitoko? La Lemi. Moi? Tu as quoi? La Lemi. Ça veut dire que je suis fatiguée. Voilà. Moi, c'est Kitoko parce Kitoko, que ça, c'est ça, beau, je dis beaucoup. Jolie, belle. Et puis, Ezalaba, parce que ça, c'est papa qui me l'a appris en disant. Attends, c'est quoi déjà? C'est genre. Ouais, une enfant, ça, mais là. Ah non, ça, c'est en Larry. Oui, c'est du Larry. Elle imite les Larry. Maman. Oui, oui, sorry. Ezalaba, c'est ça. Eza. Ça veut dire, il faut la suite de la phrase. Oui, mais Eza, ça veut dire, c'est comme si c'est. Mais voilà, c'est ça. Eza là-bas. Eza. Eza là-bas, Kitoko, ça ne veut rien dire, ma fille. Ça ne veut rien dire. Eza Kitoko, ça veut dire, c'est joli. Il faut que tu aies l'accent. Mais non, mais non, mais quand je dis Eza là-bas, Kitoko, c'est... Par exemple, je parle d'Aurore. Non, ça ne... Azaki Toko. Aurore Azaki Toko. Mais il faut mettre l'accent. Azaki Toko. Oui, le lingala se parle avec un jeu d'accent. Voilà, c'est ça. Azaki Toko. Oza. Oza. Oza, c'est comme si tu t'adresses à elle directement. Tu es belle. Ozaki Toko. Maintenant, Azaki Toko. Elle est belle. Ah, elle est belle. Voilà, il faut savoir conjuguer quoi. Zambé. Ça, au moins, vous connaissez. Elle a dit Zambé. Moi, j'ai fait un raccourci, je dis. Mais il y a un mot très important que moi, j'affectionne particulièrement. C'est ça. C'est Mbongo. Lala. Mbongo. Quand tu écris Mbongo, que Dieu vous envoie le Mbongo. Mbongo, recevez le Mbongo. I want Mbongo. Je veux le Mbongo. Nana, pose ça, Mbongo, 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 les larmes. Comment tu dis, je veux de l'argent? Non, n'a pas ça là, mais j'ai besoin d'argent. N'a pas ça. Naza n'a pas ça y a mbongo. N'a pas ça là. Mbongo na wa. Boti de langa mbongo. Boti de langa mbongo na n'a pas ça mbongo. Non, j'ai dit envoyer. Envoyer. Ah, n'a pas ça. Nathan, on te cherche. Nathan, il fait ça. Il te cherche. On a soulevé Jordan quelque part. Et toi? Ezakuna Elobama, frère. Ah oui. Maman, tu as échoué, tes enfants ne parlent pas en ta langue. Et quand c'est pas ma langue, hein. Quand j'ai échoué, ce que ils parlent là, ça peut leur donner travail. Moi-même, si je parle lingala, j'ai appris le lingala quand j'étais déjà grande avec les films, les Karachika. À la maison, on ne parlait pas le lingala. Je n'ai pas grandi à Brazzaville, moi. Je n'ai pas grandi au pays. Je comprends très bien, mais pour parler, je fais des erreurs. Si tu mais tu ne peux pas me critiquer en lingala et puis non. La vie, elle insiste que tu es en train de baby foot. Elle insiste. Ma poumou, Sakumuna. Sakumuna, je sais que c'est la bénédiction, non? Ma poumou, Kalou. Les lots, Isaïe, les lots. Lady Sonia, comment vous faites pour être toujours au tête? Je sais Jean, pas, ma grande. Jean, tu as dit pour toi. Voilà. Elle a dit quoi? Les lots, Isaïe. Les lots. Elle a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors, il paraît qu'il ne parle pas lingala. La bête a eu ma casse. Oh, oui. Elle va te taper fort. Si tu ne donnes pas le mbongo. Il paraît qu'il ne parle pas. Vous comprenez, non? Je n'ai pas échoué. Mes enfants connaissent leur origine. Oui, et leur papa leur parle souvent en lari. Il essaie de leur apprendre.
Il vaut pas, il vaut. Oui, donc, quand on demande, oui. Oui, demande, je vous entends. Souvent, tu poses des questions, papa répond, non, Larry, ça, 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 ça. Voilà, ma femme. Quoi, ma femme aime trop l'argent. Hein? Elle aime trop l'argent. Comment je fais? Mon frère, une femme, ça coûte cher. Quand tu sais que tu n'as pas l'argent, ne cherche pas femme. Si elle aime trop l'argent, c'est qu'elle est intelligente. Non, mais ça dépend de quel type de femme tu cherches. Moi, par exemple, je sais que j'admire les hommes athlètes avec des tablettes de chocolat, je sais que de par mon lifestyle, la nourriture que je mange et tout ça, j'aurais pas envie de le drive en bas. Donc, je sais que je ne vais pas aller m'aventurer là-bas. Okay. Donc, tu regardes le lifestyle de cette femme-là. Avant de t'engager. On va chercher une top modèle cité. Voilà. Non, mais parce que ça coûte cher. Non, tu sais pourquoi? Parce que après, quand elle va recevoir beaucoup plus de compliments quand t'es dehors, tu vas dire, oh, mais c'est quelle femme, c'est quelle femme qui s'habille trop belle pour dehors. Non, en fait, t'es juste moche. C'est pas un problème. On ça demande à quel âge. Pourquoi tu veux savoir? Bon, elle vient juste d'avoir sa majorité. Voilà. Mais qu'on pète ta maillot. Mais moi, je connais un très beau mot. Toi, là, et on te cherche. Jo, on te cherche. Beau maillé. Non, beau maillé, ça veut dire tue-le, non? Non. Oui, mais pourquoi tu nous ramènes la mort aussi, là? Mais non, mais c'est parce que j'ai fait le pour un gars. Donc, ceux qui disent que mes enfants parlent en lingala depuis le pain bomanga. Donc, tout ça, là, c'est quoi? Moi, j'aime bien les mikate. On dit ça se passe, ses vacances, c'est Fanta. On demande, Joe, je crois que c'est à toi qu'on parle. Elle demande si tes vacances se passent bien. Jordan, mon futur époux. Eh, hey, mon frère, ma soeur, doucement, non? Tobo Manakaka. Stofulana. Larry, c'est dans quel pays? C'est une ethnie du Congo, à sa ville, Larry. Pardonne, mon mari Jordan, viens me faire un bisou ici. Oh là 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 là. Joe, on dirait qu'il y a une femme là. Et si vous êtes prête à payer deux Mercedes, trois Bugatti et deux Lamborghini, on peut commencer à parler autrement. T'es sérieuse là? En fait, moi j'ai envie de faire quelque chose depuis tout à l'heure. C'est de mettre mon lien PayPal. Mais je me retiens. Ma chérie, tu aimes trop l'argent, maman. On a demandé. L'inflation, ça nous touche tous. Ah oui, je suis d'accord. Et ils ont dit c'est cher, hein. Ouais. C'est trop waouh. Hein? Après ouais, quoi? Oui, on va ruiner les gens, ben, bien sûr. Mais en fait, le truc, c'est que si vous n'êtes pas prêt à payer ce prix-là, je vois pas qu'est-ce que vous allez faire qui peut vraiment atteindre un life standard that we are actually living. Which is sad because y'all don't have. Que veut dire Zambé? Zambé, ça veut dire Dieu. L'autre là aime trop le matériel, hein, celle en robe. Celle-ci ou celle-là? Ah oui, on dit que toi tu aimes trop le matériel. Pourquoi? Parce qu'elle t'a dit combien elle coûte. Elle connaît sa valeur. Si vous pensez que je suis trop dans le matériel, je vous en prie. Merci, merci. T'as dit quoi? Si vous pensez que j'aime trop le matériel, ça veut dire que vous n'en avez pas assez. Bah, non. Elle te stresse parce qu'elle connaît sa valeur et qu'elle te dit voilà son prix. Je vous stresse, mais je suis pas dans le matériel. J'aime pas ça en vrai. Tu dois aimer ça. Sans matériel, tu vis comment? On n'a pas dit. Parce qu'avec beaucoup trop de matériel, on peut mourir. D'accord. Bon, là vous parlez, vous commencez à dérailler. Pourquoi? Je vais rentrer dans la conversation. Jojo, on te cherche. C'est vrai que, en tout cas moi, depuis que je vis en Suisse, quand je parle du côté de la France, et que je vois les prix et les gens se plaindre des prix, I'm like, it's not even that. D'accord, mais eux, ils ont le droit expensive. De se plaindre parce que c'est ça qui... Ils ont le droit de se plaindre, mais pour rejoindre ce que Nice dit, c'est en mode, en fait, quand vous avez ce niveau de vie là, pour vous c'est rien. Mais si vous n'avez pas ce niveau de vie là, effectivement, deux Bugatti, ça peut paraître. Après, ça n'empêche pas que je ça peut paraître. Que tu as acheté quoi? Non, j'ai acheté mes vêtements dans des trucs Les gens sont souvent des idées. Comment on dit disconnecter? Se déconnecter, je sais pas. Pas de différence, c'est pas une différence. Merci à ceux qui partagent. C'est pour ça qu'il faut marier quelqu'un de sa classe sociale. That's right. Si vous voyez, tout, mais quand tu regardes la fille, elle brille. Elle a le teint miel. Elle aime les grandes choses. Si tu vas rentrer là-bas, après tu dis non, femme, même ton âge. Il faut regarder ta pointure. Il faut aller là où ta main arrive. Si c'est trop loin, là, laisse ça. Va prendre une femme de ton standing qui ne porte pas les pépés. Qui est... Tu vois, non, voilà. Comme ça, tu ne vas pas te frustrer. Il a 26 ans. Deux et six balais. Et toi, t'es quel âge? Moi, j'ai 21 balais. Pourquoi balais? Parce que c'est
Fanny. De parler comme ça. Mais attention. École privée, ouais. Il y a l'âge avant d'atteindre la maturité, ok. Mais moi, je considère que, comme j'ai vu sur les réseaux sociaux, 20 ans, c'est zéro âge d'âge de la vie d'adulte. Donc là, j'ai un an de la vie d'adulte et lui, il a 6 ans de la vie d'adulte. Là, dis, parlons de la dot. Tu veux Jordan, mais parler avec lui. Il doit d'abord t'accepter. Si c'est bon là-bas, maintenant on va causer de la top. Ils font pas leur âge, oui. Je vais prendre une des filles du coach, surtout celle qui a les lunettes. Celle-ci là, tu l'as, est-ce que tu l'as moyen? Façon, elle raisonne, mon vrai. Toi là, en tout cas, celui qui va t'épouser, je vais te dire, frère, ma fille là, elle raisonne beaucoup. Si tu sais que tu. Oui, ils ont trouvé que toi tu aimes trop le matériel. Mais détrompez-vous, hein, je l'ai formé. Elle m'a formé. Donc, c'est pire. C'est une couverture, mais en vrai, je rigole, hein, la moitié des trucs. Dieu, on te propose des Sénégalaises. Oh, elles préparent bien. Les femmes sénégalaises, elles sont magnifiques. Sénégal, elles sont belles. Et puis, quand elles savent tenir les hommes. Hein. Depuis l'enfance, on leur apprend comment tenir un homme. Quand le mari mange le poisson, le chef, elle est assise en tailleur. Elle arrange le poisson là, elle enlève les arêtes là et puis elle nourrit son homme. Non. Mais, femme sénégalaise, mais si elle a pris ton mari, faut te chercher. Oui. Est-ce qu'on est seul le poisson? Ben non, ils font tout. Non, les ah oui. Oui, les femmes éthiopiennes aussi. Les Burkinabés, les jolies femmes. Femmes Burkinabés, femmes bien élevées. Femmes à la valeur, femmes intègres. Aïe. Et la galaxie, mais je parle du Cameroun, non? Mais si tu n'as pas bien mangé, tu ne peux pas danser comme les Éthiopiens. Moi, je suis partie une fois en mission en Éthiopie. On est parti dans un restaurant. Là-bas, la spécialité de nous, il y avait les femmes qui tournent les têtes. Elles s'arrêtent comme ça. J'ai dit, la tête se met à tourner à la vitesse. Quand elle finit, c'est moi qui ai le verre. Je suis là. Mais dis donc, après, elles sont là. Mais la tête. Et les gens viennent du monde entier pour voir la puissance. Ok, on va la laisser dans la vie. Ma fille a fait la danse éthiopienne, des petits cadeaux pour elle, ayez pitié, elle s'est cassée le dos. Elle s'est cassée le dos au moins, elle fait des petits cadeaux, refais encore. Mettez les cadeaux, ayez pitié, quelqu'un qui danse pour vous. Aïe, voilà, on t'a mis des cadeaux, regarde. Continue encore, pas encore, la danse éthiopienne. Oh non, joli. Non, yo, tout ça c'est pour toi. Yeah. On va t'envoyer ça par PayPal. Que le en bas. Bon, ça c'est la danse du Burkina Faso, elle est internationale, regardez. Non, ça c'est pas le Waba. Le Waba c'est avec le bassin. Tout avec le bassin. Ah oui, on le fait en gauche. Hein? Non, ça, c'est tout qui bouge. Ah d'accord, oui. Dieu a béni, tout bouge, d'accord. Oui, le Waba, la danse des Burkinabé. La danse princière. Merci pour tout ça, c'est pour toi, tu vois. Oh, on t'a même mis des escarpins. Merci Céline. Sarah Yet. Tout, merci pour les cadeaux. Oh my god, tout ça pour avoir dansé. Non, on fait quoi? La danse des Nigeria. Hein? On fait quoi? Toi, tu es jaloux, laisse ta tête dans la tête. Et oui, le mouton. Tu sais danser le mouton, la danse des Chinois. Toi, tu es jaloux, quitte là-bas. J'adore. Un rabat-joie comme ça là. Elle est en train de faire la danse du mouton. C'est parce qu'on me paye. C'est jaloux parce qu'on me paye. Vas-y, danse pour toi. Non, la danse des Éthiopiens, ça fait joli. Ça suffit. Moi, c'est pas qui a dansé la danse du Moutouachi la dernière fois. Mais j'ai dit, vous deux là, si vous voulez vous chamailler, allez loin. Vous êtes en train de me gâter mon live. Trop jaloux, lui là. Il est jaloux pour hypothèse, ça, il a dit ça suffit. Lui en lunettes, il n'a pas de TikTok. Ah! Lequel? Toi. Il s'appelle comment? Tu t'appelles comment sur TikTok? Je sais pas. Il a dit que lui, il ne veut pas qu'on s'abonne chez lui par rapport à moi. Il veut qu'on s'abonne chez lui par rapport à ses talents. Ce sont des danseurs professionnels. Tu ressembles encore. Merci. Aurore, tu ressembles à Lady Sonia. Bon. Enis est où? Enis est fatiguée. Elle est partie s'asseoir par terre. Ouais. Elle est juste là au pied de sa maman, comme toujours. Quand vous ne faites pas la pub de votre pays, de son drapeau, c'est une page de coaching, mon ami. Ce n'est pas la page d'un pays. D'accord? Merci beaucoup. Voilà, c'est la page de coaching, de développement personnel. Ici, on donne des conseils à l'Afrique entière
à la francophonie. On n'est pas là pour élever un pays, quoi. On s'en fout des pays. Ici, c'est les vies qu'on change. J'espère que j'ai été claire. La prochaine fois, tu reviens encore avec une histoire de drapeau et de pays, je vais te bloquer. Je ne suis pas ta camarade. Merci beaucoup.